comment se passe cette rentrée 2016? Très bien. On a fait 8 classes nouvelles et la population scolaire s'accroît. 1400 élèves de plus depuis que je suis maire, depuis 6 ans. Et j'ai une bonne adjointe performante, Nathalie. Et c'est des travaux. Le scolaire est une priorité. Le scolaire, la sécurité sont les deux priorités de la vie. Le scolaire, on investit. Je suis une nouvelle école du Nord. On fait une montagne d'Éclaise, en Picasso. On investit sans cesse. C'est encore l'an prochain, 8 classes à ouvrir. Certainement atteindre les 60 classes en 6 ans. 75 nouvelles avec 25 enfants, 30 enfants. Donc ça donne une idée de l'ampleur du dossier. On refait, la restauration de Bourgoin qui sera terminée fin septembre. Cerise sur le gâteau, Corbeil-Essonne depuis 6 ans accueille tous les enfants dans les cantines scolaires. On est fait des seuls. En matière de sécurité, il y a des mesures particulières? En matière de sécurité, c'est les mesures édictées par l'État. C'est les caméras qui surveillent toutes les écoles de la ville. Des exercices qui vont être faits avant les vacances de la Toussaint. Des exercices programmés. On fait tout ce que l'on peut. Hein. Donc c'est une bonne rentrée pour vous alors? C'est une rentrée classique parce que ça fait 6 ans que les rentrées se passent bien à Corbeil-Essonnes, sans souci, sans problème. On est au rendez-vous, les services municipaux, les entreprises, les travaux pendant l'été, tout est en place. Merci. Je vérifie que tout est en place et je suis content de le vérifier. Parfait, merci.